Bonjour et bienvenue sur le plateau de cette nouvelle émission de Terra Anima sur ce débat économique consacré cette fois-ci à un domaine d'excellence de notre Bourgogne-Franche-Comté, le blé. Alors, le blé, c'est un domaine extrêmement important et rien que dans notre grande région, cela représente à peu près 20 000 emplois et répartis sur 5 400 exploitations céréalières. Cela correspond à l'exploitation de quelques 700 000 hectares de terres cultivées rien qu'en céréales et sur lesquelles on produit quelques 4 millions de tonnes dont une grande partie serait destinée à l'export. Nous en parlerons avec notre invité. Alors, quels sont les enjeux économiques de ces cultures céréalières? Quel est l'impact écologique que cela peut avoir? Quelles sont les difficultés que rencontrent les agriculteurs dans ce domaine? Eh bien, pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir Jacques Deloisy, qui est le président de la commission production végétale de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Côte d'Or, de Bourgogne et de Franche-Comté. Bonjour, monsieur Loisy. Alors, bonjour. Effectivement, ce domaine de l'agriculture nous intéresse particulièrement, et notamment de l'exploitation céréalière. En termes d'emploi, tout d'abord, ça représente vraiment autant de personnes que je l'ai dit? Oui, globalement, la filière céréalière représente environ 20 000 emplois sur notre secteur, qui vont de l'exploitation agricole, où aujourd'hui, bon nombre d'exploitations, notamment céréalières, ont des emplois salariés directs, temporaires ou en CDI. Sur notre exploitation à Hauteville-lès-Dijon, nous avons deux salariés à temps plein toute l'année et également une personne à temps partiel. Et sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté, effectivement, un certain nombre d'exploitations ont des salariés, puisque du fait de l'augmentation nécessaire de la productivité pour répondre aux marchés internationaux et aux contraintes économiques, un certain nombre d'exploitations se sont développées, mais ne se développent pas toutes seules. Le tracteur qui fonctionne tout seul n'est encore pas opérationnel, et fort heureusement, nous avons de nombreux salariés sur les exploitations et de plus en plus qualifiés. Mais cela va également avec toutes les filières d'approvisionnement et d'écoulement des productions, notamment l'écoulement des céréales, du champ aux silos locaux des coopératives notamment, et au transport fluvial depuis par exemple Pagny jusqu'à Marseille et après la Méditerranée, voire plus. Alors ça paraît effectivement un domaine qui tranche avec l'image un peu d'épinal qu'on a du cultivateur derrière son tracteur et ses bottes. Il faut donc aujourd'hui, pour être employé dans une exploitation agricole, avoir quel niveau aujourd'hui? Alors effectivement, les images d'Épinal et le bon sketch de Fernand Reynaud sont bien loin. Aujourd'hui, les exploitations agricoles ont des salariés de tout type de qualification, mais souvent de plus en plus, au minimum bac plus 2 sur des exploitations. Ce n'est pas une condition sine qua non, mais souvent c'est quand même de plus en plus courant, puisque les exploitations ont un rôle technique de production, comme le travail du sol par exemple, le semis de la culture comme celle du blé, ou des couverts végétaux pour maintenir des couverts sur le sol pendant l'interculture dans un certain nombre de cas. Mais nous avons aussi également des interventions de protection des cultures contre les ravageurs par exemple, et également d'amendement ou de fertilisation. Les intrants coûtent cher, doivent être utilisés avec précaution et parcimonie, et pour ça il faut les régler le matériel au plus juste, et parfois piloter avec des outils d'aide à la décision, notamment en termes de fertilisation azotée. On a des outils qui s'appellent FarmStar, qui est développé par un institut qui s'appelle Arvalis. Et donc, il faut être capable d'interpréter les comptes rendus qui nous arrivent directement par boîte mail sur informatique et qu'on retranscrit après dans les paramétrages. Oui, donc on est loin effectivement de l'image d'Épinal. C'est véritablement un métier technique. Alors, on a aussi le sentiment, quelque part, quand on écoute la radio ou la télé, que c'est un métier sinistré, alors que vous me dites que vous êtes en recherche d'emploi, donc non pas vous, mais de salariés. Oui, tout à fait, puisque les exploitations évoluent. Effectivement, depuis 2 ou 3 ans, c'était passé un petit peu inaperçu au départ, mais les exploitations sont notamment dans la région Bourgogne-Franche-Comté, qui est une zone à moindre potentiel céréalier par rapport à d'autres de nos voisins du nord de l'Europe, on va dire, ou du nord de la France. Les potentiels sont un petit peu moins importants dans nos régions. Et surtout, les prix ont beaucoup baissé depuis 3 ans, puisqu'on était à 200-250 euros la tonne de blé. On est aujourd'hui entre 100 et 140 euros, suivant la qualité du blé. Donc effectivement, on a un marché très concurrentiel au niveau international. Et puis des charges également sur les exploitations qui ont beaucoup augmenté ces dernières années, ce qui fait que depuis 3-4 ans, il y a plus de 50% des exploitations qui sont en déficit.
Cela dit, on essaye toujours d'être moteur et d'avoir des perspectives. Et pour les exploitations, quand, il faut effectivement avoir également des collaborateurs engagés sur leur métier, quelque part un petit peu passionnés, parce que ce n'est pas toujours très simple de travailler dans le monde agricole, mais globalement, effectivement, c'est nécessaire. Alors, ce sont des investissements relativement lourds, parce que quand je me rappelle les éléments de technologie que vous avez évoqués, avec des contrôles, des intrants, etc., des tracteurs qui, on voit, sont de plus en plus énormes. Ça représente des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'euros. C'est quoi le coût moyen des exploitations, des outils d'exploitation? Alors, un tracteur vaut aux alentours de 100-150 000 euros, suivant les modèles aujourd'hui. Une moissonneuse-batteuse, le double. Donc, quand on voit que certaines maisons aujourd'hui valent quasiment le prix d'une moissonneuse-batteuse, c'est quand même très important. Et puis, pour rentrer un petit peu dans la technique plus précise, les outils de pilotage, par exemple le guidage pour la précision au centimètre sur la fertilisation, par exemple, le guidage d'un tracteur, c'est environ 20 000 euros, l'option. Donc, c'est un investissement important. Et donc, il faut effectivement en prendre soin, se former, être formé pour l'utilisation de tout ça et pour préserver le capital de l'exploitation, la rentabilité économique et faire face aussi à la précaution vis-à-vis de l'environnement. Est-ce qu'on peut encore se lancer dans l'agriculture aujourd'hui? Parce que finalement, le ticket d'entrée est drôlement élevé. Alors effectivement, le ticket d'entrée, comme vous dites, est très important. Globalement, les capitaux nécessaires pour une exploitation aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Tout le monde n'est pas forcément équipé de sa propre moissonneuse. Il peut y avoir des achats en copropriété, en CUMA, ou faire appel à un entrepreneur. Mais le capital d'une exploitation, pour cultiver un hectare de blé aujourd'hui, il faut de dépenses courantes, il faut 1 400 euros pour un hectare de blé. Donc aujourd'hui, une exploitation, c'est 150-200 hectares. Donc vous voyez, globalement, il faut quasiment 200 à 300 000 euros, sans compter le matériel. C'est effectivement des engagements importants. Et sans compter le foncier non plus. Et les banques, elles suivent ? Alors les banques sont souvent intéressées par le monde agricole, y compris le monde céréalier, qui est une composante du monde agricole français, en parallèle de l'élevage au sens large et de la viticulture, par exemple. Les banques sont souvent intéressées par le monde agricole. Aujourd'hui, elles sont peut-être un petit peu plus sur l'observation ou un petit peu plus sur pas la défensive, mais un petit peu plus attentive à un certain nombre d'évolutions. Mais globalement, le marché agricole est animé par des gens qui sont là pour durer dans le temps. Ce ne sont pas des activités éphémères de 5 ou 6 ans sur des phénomènes de mode qui peuvent se trouver dans d'autres secteurs de l'activité économique française ou internationale. Et en général, il y a aussi un accompagnement sur du foncier ou des bâtiments qui ont une décote un petit peu moins importante. Cela dit, aujourd'hui, les business plans, pour parler couramment, sont un petit peu plus tendus, effectivement, et il y a peut-être aussi un peu moins d'investissements actuellement, notamment dans le matériel, et un petit peu moins de personnes qui sont tentées de se lancer dans une période difficile. Alors c'est vrai qu'on attend vraiment un autre langage que celui où on s'attend un peu, puisqu'on parle de business plan, on parle d'investissement. En fait, l'agriculture, c'est devenu un monde industriel. Et qu'est-ce qu'il faudrait que les gouvernements ou que les futurs présidents changent quelque part, parce qu'on vous voit souvent, malheureusement, sans doute, dans les rues, et pour réclamer des évolutions. Alors, quelle serait l'évolution la plus importante pour vous, au-delà de la prime sur tel ou tel produit ou autre? Quelle serait la réforme de fond? Alors, la réforme de fond, c'est d'arriver à travailler avec les industriels. Parce que je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que l'agriculture est devenue industrielle. Elle a dû s'adapter à la demande des industriels. Puisque, par exemple, la boulangerie est de plus en plus exploitée par des grandes surfaces, par exemple, qui, elles, ont des standards industriels de production et de panification. Et pour cela, il faut que la qualité du blé réponde à des standards imposés par les industriels. Et ce n'est pas l'agriculture qui est devenue industrielle, elle s'est développée, elle s'est modernisée, et elle le fera encore pendant longtemps, j'espère, pour répondre à une demande industrielle qui répond à une attente des consommateurs, puisque globalement, le coût alimentaire dans le panier de la ménagère a globalement beaucoup baissé. Ce qu'il faudrait, notamment pour qu'il y ait une reprise de l'activité économique, globalement, il y a trois piliers. Il faut premièrement qu'au niveau mondial, on retrouve un petit peu de perspective sur les prix, puisque globalement, ils ont baissé de près de 50%
en 3 ans, ce qui est absolument dramatique. Trouver une filière aujourd'hui économique qui fonctionne avec une baisse des prix de quasiment 50%, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à subsister aujourd'hui. Ensuite, il y a un deuxième point. Celui-là, il est plus difficile à trouver, le premier, puisque effectivement, au niveau international, on a la concurrence avec nos amis russes, ukrainiens notamment, et quelque part aussi un petit peu américains, qui sont des gros producteurs. Il faut savoir qu'il y a globalement pas plus de 5 à 6 pays qui sont structurellement exportateurs sur le marché mondial pour répondre à la demande, par exemple, du bassin méditerranéen, de nos voisins marocains ou égyptiens, par exemple. Donc le premier point, c'est d'avoir un petit peu d'embellie au niveau des prix, et ça, on n'en est pas à l'abri suite à un événement climatique. Il y a un deuxième point, qui est celui des charges environnementales, qui pèsent aujourd'hui pour près de 10% sur le chiffre d'affaires d'une exploitation céréalière de Côte d'Or ou de Bourgogne-Franche-Comté. C'est totalement insupportable par rapport à nos voisins, par exemple russes ou ukrainiens, qui n'ont pas du tout les mêmes charges de production vis-à-vis des contraintes environnementales, sociales et économiques. Et puis, il y a un dernier point, c'est un sujet un petit peu plus délicat à aborder, mais l'agriculture européenne est accompagnée par l'Europe d'un point de vue financier, et aujourd'hui, les agriculteurs, notamment des zones à moindre potentiel céréalier, comme en Bourgogne-Franche-Comté, ont des aides inférieures à celles des producteurs allemands ou hongrois ou roumains, par exemple. Et ça, c'est insupportable. Il faut que le gouvernement français participe à ce rééquilibre. C'est une décision franco-française. Il serait nécessaire que le gouvernement, quel qu'il soit, celui qui est en place aujourd'hui ou celui peut-être qui sera en place dans 6 mois, rétablisse une certaine équité entre tous les producteurs français. Eh bien, c'est sur ce message d'équité que nous nous quittons, en espérant que les interlocuteurs vous auront entendu. En tout cas, à très bientôt sur Terranima. Merci.